En fait, moi, je rêve d'être en clash avec Bégodo. Il faut qu'ils sachent, ces gens-là, les Juliens aujourd'hui, les Papacito et compagnie, qu'en fait, nous, on n'a pas que ça à foutre de débattre, en fait. En fait, moi, je rêve d'être en clash avec Bégodo, avec Michel Onfray, avec Bernard-Henri Lévy, avec... d'avoir des discussions avec Jordan Peterson, avec Zizek, avec Sloterdijk. C'est comme ça que je vais appeler l'entretien. Je rêve d'être en clash avec Bernard-Henri Lévy. Non, mais mon ambition, c'est d'avoir des débats avec des types... Oui, constructifs et avec des... Oui, constructifs, et puis avec des types que j'estime un peu, dans le mépris que je peux avoir pour eux, pour plein de trucs. Ah, j'ai un autre titre, j'estime Bernard-Henri Lévy. Non, mais que tu vois des mecs d'un certain calibre. C'est mon ambition. Alors, plein de gens vont dire, t'as pas le niveau pour débattre avec ces types-là. Ok, on verra. Je savais pas que Rojdi avait dit ça. Je sais que Papacito, des fois, il dit « les gauchistes, venez débattre, là, si vous avez les couilles. » Il nous provoque. Il faut qu'ils sachent, ces gens-là, les Juliens, Rojdi, les Papacito et compagnie, qu'en fait, nous, on n'a pas que ça à foutre de débattre, en fait. Nous, le débat, c'est pas notre cas. Eux, c'est leur fond de commerce, pas nous. Moi, aller débattre avec... passer ma vie à débattre, c'est pas ma vie. Moi, j'écris des livres, et puis je me balade, et puis j'essaie de... En revanche, pourquoi pas un jour, enfin, avoir ce grand débat avec Julien Rojdi qui se pique d'être nietzschéen et qui dit absolument n'importe quoi sur Nietzsche. Alors là, oui, ça pourrait me faire plaisir un jour de... On va vraiment parler de Nietzsche, Julien. Là, on pourrait se marrer. Donc un jour, peut-être, si j'ai que ça à foutre, je débattrai avec plaisir avec Julien Rojdi.